Merci parce que c'est avec nous. La présidente a appliqué une politique de l'usure, si vous comprenez bien, et contre nous-mêmes là, et espérant que n'a pas fait faiblir la position, nous, et ça qui a fait partager, nous choquer par la dernière sortie, président. Et nous choquer, mais président, pas qu'à prendre avec le temps. Parce que le président a un propre argument encore pour détruire tête libre. Mais avant, comme je dis, nous convoquons ça, président, pour faire ça. C'est parce que la commission présidentielle, la commission nommée, dans la rencontre qu'il a fait avec des partenaires, il était presque abouti à des pas ordonnés du président. Oh. Et il y a eu deux monde dans la commission qui a dit le président ça. Et le président dit. Il fixait conférence pour le galvauder le travail de la commission. Et c'est peut-être ça, ouais, pour eux, que, eh bien, il y a des gens dans la commission qui comprennent la question, et eh bien, qui disent, je dis à la vérité, parce que pratiquement, à la conférence de presse, là, le président a galvauder le travail de la commission. C'est courir le courrier pour être devant, il fixait conférence, parce que le président met en commission, mais il n'a pas appelé, non, aboutit à n'importe quel résultat. Depuis qu'on parle de départ ordonné, lui-même encore, n'a crasé le travail de la commission. Et c'est le monde qui a une personnalité dans la commission, il ne peut pas accepter ça. D'où, où est que grand pile monde qui dit à quitter, et c'est normal. Parce que le président, dans la prise de parole, lui, c'est que le monde vient attaquer, et bien, le monde qui a supposé acteur de crise là pour que, et bien, il ne parle pas avec. Donc, c'est premier, et où est que le président fait, c'est pour ça que je vous dis là, ou après, le monde qui a une personnalité, il ne peut pas arrêter la commission, même si on approche le président. Mm-hmm. Mais, la deuxième chose, c'est que, monsieur le président, je ne vais pas entrer dans le bagage, côté président, parler de trois contrats. Et l'important pour moi, nos informations, parce que moi, la commission éthique et corruption, côté président, il m'a menti dans la question de contrat. Le président parlait du contrat USD. USD, c'est un contrat fait avec, c'est bon, c'est pas haïtien que la donne. C'est un chinois et qui signe un contrat. Depuis le, nous t'es qu'à dire en 2008, qui pour la peau. Firme haïtienne qui t'est proposé $300,000 pour faire ce service-là, alors que le contrat c'est $891,000. Mais il n'a pas accepté ça. Il a renouvelé avec Kenny Choi, qui est chinois, qui est compagnie USDA, il a renouvelé pour $891,000. En 2016, l'homme fait rapport blanc à la page 21-22, n'a pas moins dit que le prix sera trop cher, parce que les firmes haïtiennes qui ont fait, nous demandons l'État annuler le contrat. Et moi, voyez, papier, le président, le sac qui était en campagne, qui dit qu'on le privé la bande 2017, 2018, c'est Yem d'être président dit, eh bien, le voilà annulé. Et là encore, compagnie a touché dernier cobli dans le mois de juillet. Ça dit que, moi, pour qu'on connaisse si c'est vrai, sa président dit. C'est contre sa président qui dit qu'il y a $107 millions qui passent là-dedans. Oui, c'est Lili dit, mais il était au courant depuis 2016. Parce que moi-même, moi, j'ai dénoncé ça dans la forme. Et moi, qui était renouvelé le contrat en 2012, c'est PM Lamotte. Donc, ce n'est pas l'autre administration, c'est toujours la même administration, PHTK, qui nous renouvelle. Le deuxième, c'est le contrat de l'aéroport. Contrat aéroport, là. Avant de venir sur contrat aéroport, il parlait d'un contrat de $220 millions sur 10 ans pour surveillance frontière terrestre. Vous comprenez ça? Moi, je comprends ça. Salut. Contrat, ça, c'est un contrat qui était signé par le ministre Lalo, chef cabinet résident. Il était signé sous le président Matéli. Son contrat, d'un général de $20 millions, hein, qui était doué, il était doué par compagnie par mois. Plus un pourcentage, ne excusez pas, plus un pourcentage que tu dois accompagner pour te refaire le système douane et faire rentrer plus comme. Au contraire, sous 10 ans. Sous 10 ans. Mm-hmm. Depuis le président privé, il a commencé à discuter de ce que compte compagnie pourcentage pour aller sous question de rentrer en plus, mais ce n'est pas pour payer. Pas pour le corps, pas pour l'État ici, pas encore pour l'État ici, mais pour l'État ici. Bon. Des négociations qui n'ont pas jamais abouti, ils ont continué, eh bien, sous le président et Moïse, qui ont recevoir mon nom plusieurs, ils n'ont pas jamais abouti, et nous avons le président, fait au bal $15 millions avant ce que tu as compagnie. Eh bien, ça n'a pas jamais fait. Jusqu'à présent, c'est dans l'état actuel ça, que le contrat s'est arrêté, ils n'ont pas jamais fait compagnie à remettre, parce que s'il va exécuter le contrat, il faut le remettre comme là. Donc, c'est dans l'État, ça. Non, président, dit le couper contre ça, tout. Ça, le couper là-dedans.
m'a pas le couper, c'est ça en dollars, oui. M'a pas le découper là-dedans, puisque moi-même, moi t'ai proposé. Tendez bien, Robinson. Moi t'ai dit, président, en nous monter en compagnie et déporter en dans la mer, et compagnie ça, la guerre technicienne, n'a demandé aide Israël. Le lieu nous pour compagnie Israël privé, n'a demandé aide Israël pour nous former et mon cap piloter hélicoptère, pilote, pour que nous-mêmes nous suivions les douanes. Nous, moi, dit président, au lieu de 20 millions de dollars, on fait le conseil, président, on fait. Donc, je dis, président, on va quand même parler de bagaille que, justement, il presque pas agi sous lui. Maintenant, sénateur, vous pouvez parler de contrat et à Opoa. Côté que gagne environ 43 millions de dollars qui était la donne. Président dit, li jouen avec compagnie pour remettre comme ça. Et nous pouvons parler tout de contrat, li dit, couper la KO dans la Tibonite pour te faire un curage. Mais il fait exactement 8 heures, n'a pas été garde à vous, n'a pas été pour payer nos respects. Et nous tourner sénateur pour prendre la question. Garde à vous, tout le monde. Avec plaisir, mon gars. La tortue, président de la commission éthique et anticorruption dans le Sénat, toujours ensemble avec nous. Justement, sous contrat pour AOPOA, 43 millions de dollars, et le président dit, les a cherché sous pour le côté film qui était dans le contrat, ça, il n'y a pas de jambouel. Mais finalement, il arrivé où qui est, et film a accepté pour remettre 43 millions de dollars. Sous qui administration comme ça, t'es signé, et contrat ça, t'es signé, sénateur. Très bien, Robinson. Encore une fois, mes amis, président. Faut regarder mon nager, faut regarder comme dit suivez mon regard, faut regarder le voyage président Bay Manti. Contrat aéroport là li signé pendant que Wilson Lalo ministre des finances. D'ailleurs, m'a voyé copie à ba nous. M'a voyé copie ba nous côté que contrat signé avec le chef du cabinet. Chef de cabinet Wilson Lalo qui devient chef cabinet et président. Contrat ça signé en 2015. Le contrat ça signé justement, il était demandé pour être avant ce cop-là. Et dans la discussion qui était venue avec FMI, il n'est pas d'accord pour Haïti prêter cop à plus que 2%. Et sous-président privé, pendant que nous-mêmes, nous étions sénateurs, nous étions dénoncés contre ça, eh bien, l'institution internationale l'a demandé, eh bien, président privé pour être bloqué contre ça, parce que si Haïti, je dis à c'est dont il a fait, eh bien, il n'y a pas accès à après, c'est dont il a fait, il n'y a pas qu'à le prêter en cop. Eh bien, dont intérêt a dépassé 2%. Donc, dans ce sens, ça, depuis le ça, c'est la première année que je suis rentré dans le Sénat, contrat ça a été bloqué. La question qui était posée, la question contrat ça, c'était reprendre quoi pour te bailler là? 43 millions de dollars. Qui a été débloqué comme ça? C'est sous transition? Comme ça a été débloqué sous président privé. OK. Il était débloqué sous président privé, mais leur fin de débloquer comme là, FMI est venu, il a dit qu'il n'y a pas qu'à continuer le contrat, et bien il a demandé le camper, et nous-mêmes, nous avons recevoir le ministre des Finances, qui est ça, et le ministre des Finances privé, lui-même qui a annoncé nous que le contrat est bloqué, il n'y a pas fait procédure pour reprendre comme là, 43 millions. Et bien, leur a annoncé ça, nous avons dit qu'il faut prendre le plus vite possible. Allez-y, désolé. Oui. Nous avons annoncé que nous allons ouvrir comme là. Maintenant, ministre qui était là, le SAA, ministre des Finances privées, là, ministre Bastien, excusez, il a lancé en procédure pour qu'il restitue le comme là. L'homme vient président Sénat en 2017, mais il était le président pour nous faire le connaître. Eh bien, justement, que comme ça, d'ailleurs, nous avons délai, et je pense que nous avons débat magique, nous avons délai jusqu'à 30 octobre 2018. Pour que nous prenions comme ça, si nous ne pouvons pas exécuter le contrat. Et là, ça nous demande le ministre Salomon faire le nécessaire. Ce que le ministre Salomon a dit que il va le prendre comme là. Nous écrit président pour nous dire, président, attention, comme ça, le contrat ça a annulé depuis longtemps. Donc, ce n'est pas président et Jovenel qui a annulé. Il a annulé depuis 2016. Eh bien, il faut que nous rentrions 42 après 7 millions. Délai a fini 30 octobre 2018. Moi, songe, en septembre 2018, nous rappelons président encore, attention, mes délais arrivés, et ministre Salomon te dit, il va faire le nécessaire. Il va jamais prendre. Après 2018, président, il y a là, qu'on y a, ouais, bagaille là, trop court, il y a là, mais ton film avocat, il faut que jamais reprenne comme là.
Mais pas oublier, même l'on n'a pas le prendre en 2018 là, gagner au moins 10% que compagnie t'a kembé. Parce que compagnie a un contrat que le TMTA a dit, c'est à Robert Cobla, l'a kembé des frais. Je dis à la question avocat, c'est encore beaucoup plus. Parce que délai a passé, et le délai a passé où tu es supposé perdre du Cobla. Mais président, tu as gagné un an et demi pendant le délai pour le Cobla. Donc non seulement président n'a pas annulé le contrat, mais président n'a pas fait diligence dans la continuité de l'État pour le rentrer Cobla. Et jusqu'à présent, comme ça, pour rentrer dans la caisse de l'État. Maintenant, président dit, on se retrouve avant ça, sénateur la tortue. Président dit, t'as cherché qui film qui était et contrat sa voix. Pour aller dire en ce moment, il a cherché en pile, il parle, j'aimerais si à la fin, il et trace ce film. Nan. Bon, Bamdou, moi, j'ai contrat. Contrat à Lila, m'a voué copia pour vous, côté contrat à Tessien. Eh bien, moi, c'est le président, là aussi, là avec là. C'est ministre Jacques Rousseau. Hein? Et qui te signé ça. Donc, je pense que le président connaît Mini Jacques Rousseau toujours là. Et je l'ai joué d'ailleurs. Il y a nos films là qui étaient là. Deuxièmement, tu as gagné une séance spéciale. Tu as gagné une séance spéciale dans le Parlement. Côté nous, tu as invité le directeur aéroport, ministre de travaux publics. Et le ministre de travaux publics là, tu as dit, lié en contact avec le président, je me rappelle là, l'homme de président du Sénat en 2017. Ministre Aoud Jadézi, là, contact avec le président passe l'instruction. Film là, mettez le côté lié, il y a contre le New York, son film chinoise, ce que ça, le New York. C'est à partir de là que vous avez eh bien, prend comme là. Donc, depuis 2017, président, qu'on est qui filme. Et film là, président, tu rencontré avec tout, parce que film là, tu as fait des marches tout pour que US, UTK, eh bien, qu'il y ait contrat. Et renouveler le contrat. Donc, président, confirme. Là. Le président dit ça, le président va faire ça. Non, Thibonet, pour canal président parler, dès que c'est la parler là. Bon, moi-même, moi connais dans la Tibonite, t'es gagné Sali Foudoué, t'es gagné un film depuis longtemps, depuis son président, Matéli, que t'es gagné un film qui t'a nettoyé Sali Foudoué. Mais contre ça, il était fini, il était fini nettoyé depuis 2015. Après ça, tout l'autre contre la Tibonite, c'est ODVA qui fait. Donc, moi, pas comprendre de qui sa président parlait, puisque t'es gagné ministre Thomas, oui, qui t'es gagné en firme, il était venu pour nettoyer Sali Foudoué, et bien, il était pour en firme et pour te faire. Moi, connais que ça a été fini depuis 2015, moi, pas connais l'autre contrat que film privé t'es gagné au niveau de la Tibonite, moi, connais que depuis qu'il y a un travail qui pour fait, il était demandé au DVA pour faire, soit de façon mécanique, soit de façon manuelle. Donc, qui contrat président coupé, il faut lui-même lui dit, mais qui contrat que l'été coupé. Maintenant, dans l'ensemble, si vous comprenez bien, sénateur la tortue, tout contrat ça au président parlé là, c'est des contrats qui signent sous administration tête calée. Oui, c'est des contrats signés que vous prenez USD renouvelé en 2012, qu'on prend la douane et l'ICI en 2015 avec la LO, qu'on prend la question de l'aéroport l'ICI en 2015 avec la LO. Donc, si vous prenez un contrat à la Tibonite, là, c'est en 2013 ici. Donc, moi, pas oui, qui contrat président Palais. Bon. Alors, nous-mêmes, nous t'es bail président, et nous t'es dit ça dans l'émission déjà, en résolution en octobre 2017 pour te renégocier des contrats. Ah ouais, et par eux, Sogener, Aitrak, contrat que l'État payait environ 185 millions de dollars par année. C'est ça, président, qui a fait pour le faire, et jusqu'à présent, président n'a pas fait. Et président a demandé de nous accompagner pour un support pour que l'État arrive, et bien lui-même, renégocier le contrat. Donc, moi-même, c'est ça, je pense que le président, aujourd'hui, dis, l'État privé fait, puisque le témoin de l'effet privé. Après ça, il y a une résolution, il publie, il pas fait. Et d'après ça, le président a préparé compagnie pour remplacer compagnie SAO en 2021. L'autre côté, peut-être le président a parlé avec un pile monde directement. Bon, le cas là, ça m'avait tout, parce que là, il a parlé de monde qui jouent des prêts pardon, à 3%, alors que la reste population a bien à 60%. Là, même si le pas clairement cité, il a fait référence à ONA. Oui, moi parce que président encore, c'est soit président qui logique ou bien le pagain. Président, c'est yo qui baisse taux prêt sur l'agriculture là. Et c'est yo fixé l'autre 1 et 6% de pour l'agriculture. Et que yo bon taux préférentiel par rapport à sa présidente, il voulait encourager l'agriculture. Donc si moi-même, moi j'ai un prêt qui est à 4%, moi je ne crois pas que li nan marge là. Donc je ne crois pas que le président Kavin Jodia a parlé de ça. Parce que Jodia, sa président fait, et comme dit nous, président relais en compagnie de location, en compagnie de location, président relais, directeur Luna, lui fait prêter 800 millions de gouttes. Bah oui, c'est pas dans l'agriculture. Qui compagnie de location ça? Hein? Qui compagnie de location? Location de qui ça?
location de vos véhicules. Okay. Il fait prêter et vice 800 millions de gouttes. À 3% non? Ah oui. À 3%? Ah oui, à toi qui t'a supposé dans l'agriculture, il prêtait la taux. Ah. 3%. Donc je veux dire, ah oui, c'est sénateur Don Cherami, t'es parlé de ça déjà. C'est sénateur Cherami qui est venu à dossier à l'autre bois et directeur Luna n'a pas jamais été capable de réponse. Par rapport à ça. C'est ça que le président dit. Parce que, pas de tout ça dans la location machine, on n'a qu'à faire location machine, l'île ou la machine est bien chère. Ou pas qu'à prêter là avec tout agriculture. Et c'est le président personnellement qui t'a relé pour te prêter au comme là. Mm. Et vous prêtez dans deux tranches, 400 millions, 400 millions. Donc c'est ça que le président parle, je dis. Maintenant... Et c'est peut-être ça, je dis, c'est le président qui quimbe ce système là, parce que quimbe ce système là, ça lié. C'est relé pour un monde. Eh bien, faire au bal comme là directement, sans va obliger de respecter les procédures, non? Parce que comme ça, c'est pas quoi l'ONA te doit prêter, c'est quoi qui était là pour prêter moun, eh bien, qui dans l'ONA qui a travaillé, qui besoin acheter une machine. Yo prend tout quoi là, on va y avoir les crédits 50, yo prêter là-dedans, et c'est président qui est passé l'autre là. Sénateur, vous l'avez dit. Moi, oui, moi, j'ai des explications qu'on va y sous et prêt que, ou même aux reprises aux jeunes, pour capable investir dans l'agriculture. Et, mais il y a des gens qui t'ont dit, c'est un prêt que Yuri la tortue qui te mettait chez Snell Pierre. Comme directeur ONA, les jeunes, gon ba qui pas aller non ça. Non, m'a rappelé son prêt qui était lancé depuis bien avant chez Selvini. Okay. Son prêt qui était lancé depuis bien avant, il vient débloquer sous directeur CSM. Elle était lancée depuis bien avant. Mm-hmm. Et moi-même, capacité que nous avons gagné dans cette affaire avec ferme que nous avons commencé depuis 2015, là, eh bien, toute évaluation a montré que sa propriété était beaucoup plus que ça. Elle était lancée depuis bien avant. Maintenant, sénateur, vous pensez que c'est quel monde qui est dans l'agriculture qui est capable de jouer un genre de prêt ça? Facile comme ça, bon, avec. Bonjour, Dia. Eh bien, Banque Centrale, mettez un prêt minimum de 4 millions de dollars pour monde qui est dans l'agriculture. 4 millions de dollars, et moi-même, Baldo, moi, c'est deuxième ferme, oui, en ce dans le pays. Après Haïti Bolle, c'est deuxième ferme là. Et moi-même, moi pense que je dis, l'on est prêt, c'est là où vous améliorer, où vous agrandir, où vous augmenter, on va prendre prêt comme ça. Moi-même, moi suis accessible après ça. Et je dis, par rapport à la position ferme là, au niveau de pays, à la production, nous. Mm-hmm. Et je dis, que nous fait d'ailleurs, nous étions à 50 000, nous allons augmenter à 100 000. Donc, je dis, moi pense que ferme là, c'est un monde qui est pire en position. Maintenant, est-ce que vous avez accès? Et est-ce que tout le monde a accès? Non. Parce que je dis, justement, dans quoi vous avez mis pour l'agriculture au niveau de Banque Centrale, pour des institutions financières faites, nous voyons que le président fourrait Sophie Dainamitario pour que lui-même lui capte un monopole là. Et bien, les amis, donc je dis, accès à, n'est pas fait pour tout le monde. Et c'est ça que nous dit qu'il y a un système là qui n'est pas bon. Parce qu'on a un jeune garçon qui doit avoir près 1 500 000 $ depuis qu'il y a une capacité. Mais il faut tout l'autre monde qui a accès après, même si il y a 50 000 $, 100 000 $ après. Je dis, elle pas comme ça. Et c'est ça fait que nous t'ai dit, justement, dans la question ça, eh bien, moi-même, moi t'ai proposé en loi, en proposition de loi, après crédit étudiant, nous t'ai proposé en proposition de loi de crédit pour les jeunes, pour que, justement, nous diminuions toute barrière que nous mettions, pour que nous arrivions dans une situation côté que les jeunes ont accès à elle. Merci beaucoup, le sénateur Latortu, pour disponibilité. Bonne journée. À moi de vous remercier. Sénateur Latortu qui t'a apporté quelques éclairages sur le contrat président de l'Écopéan. Bon, on se pose là tout court. L'entonné n'a venu avec l'éditorial qui est sorti matin dans le Nouvel Liste, le président et le système. On se pose tout court. Titulaire de la Unicart. Des projets de voyage pour l'étranger ?